إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإنسيك الإيمان الحمد لله تلوانس والله سبحانه وتعالى c'est lui qui les fait une petite nouvelle islam et c'est lui qui font son faveur nous continuer gagner la connaissance, nous continuer à acquérir la connaissance. Acquérir la connaissance islamique comme un bizarre, c'est elle parmi les grands faveurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fait à musulman. Allah Rabbul Alamin les dire concernant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la surah An-Nisa wa'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima. Allah subhanahu wa ta'ala les fait faire toi qu'une petite chose qui ne t'a pas connu, les fait de toi connaissance qui ne t'a pas tienne, alors connais-tu faveur Allah subhanahu wa ta'ala l'énorme le toi de sa ayat pour Allah. Faveur Allah peut faire référence à la connaissance qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fait donner à nos rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors chaque connaissance qu'il nous fait acquérir, reconnaître que c'est un faveur que Rabbul Alamin peut faire au nous. Et sa faveur là, nous visait montrer nos reconnaissances envers Allah Rabbul Alamin pour faveur qu'il peut faire au nous. Il peut donner nous la connaissance, nous pouvons faire l'occasion pour qu'il nous apprenne nos dîmes. Et nos reconnaissances envers Allah subhanahu wa ta'ala pour sa faveur, elle parmi la façon qui nous montre nos reconnaissances envers Allah Rabbul Alamin, pour la connaissance qui nous peut permettre nous pour acquérir. Et c'est une obligation pour nous. Et c'est un devoir envers chaque connaissance qui nous peut acquérir. C'est nous bien faire ses efforts pour qu'il nous mette en pratique dans la vie. Sinon, pas frère, comment sa connaissance ça pour profiter nous si nous n'avons pas fait assez fort pour qu'il nous applique, si nous n'avons pas fait assez fort pour qu'il nous mette en pratique dans la vie. Alors, un parmi man, biais, chèvre, c'est un tout vis-à-vis man, qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut faire faveur à connaissance de ceux, c'est chèvre, faire ceux, éloigner, chèvre, déployer ceux pour mettre en pratique. Connaissance que je peux acquérir. Mais nous connaissons dans le monde. Lors de la terre, je ne peux pas intéresser avec connaissance. Je ne peux pas gagner l'occasion même. Mais je ne peux pas faire ses efforts pour prendre dîme Allah subhanahu wa ta'ala. Ça va là, chez toi, il fait ce de sa façon là. C'est une faiseuse qui est intéressée. Pas une faiseuse pour l'importance à prendre pour cela dit Allah Rabbul Alamin. Une deuxième catégorie du monde, c'est man qui, je suis content à pratiquer, mais c'est moi, je ne suis pas content à prendre. Ça va là aussi, chers frères, les gars, comment les faire se pratiquer sans la connaissance, finalement, se mal pratiquer. Tout ce qui se peut faire là, les pas d'envie parce qu'ils ne connaissent pas comment pratiquer un ibadat
d'après l'enseigne de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui lit l'importance de la connaissance et que les efforts pour grandir, Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que chaque fois pour pouvoir les décider, chaque fois, lui aussi ne pouvait faire ses efforts pour attaquer sa musulman. Qui lui connaît l'importance de sa connaissance et qui fait ses efforts pour prendre son livre, lui aussi, chaque fois, pour attaquer de différentes façons. Et elle, parmi les façons qui chaque fois, il y a quand celui qui connaît valer la connaissance et qui fait ses efforts pour qu'il apprenne digne. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui apprendre, lui, lui gagne connaissance, lui, lui connaît beaucoup de choses, lui, mais c'est pas côté pratique. Bien, bien, fait. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qu'il a fini à prendre, qu'il connaît, mais seulement il n'a pas mis en bas, en pratique. Parfois, même pas d'obligation, mais la loi qui vient créer dans dire, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il y soit une obligation, bien, qu'il y soit un péché aussi, malgré qu'il nous connaît, nous apprend, qu'il sait pas bon faire, mais seulement nous continuer à faire. On vient par une bonne action. Mais nous disons, si un coup c'est obligatoire ou non, cinq fois la main, là aussi, où il y a des gens qui ne peuvent pas ni la main pointe sur cinq fois la main, pas sûr. Et la main, c'est pas fait d'aller. Et la main, en tant qu'un homme, justement, il n'est pas fait entièrement. Et la main, c'est pas, il n'est pas fait à lui. Et comme ça, combien de PC, il connaît PC ça, désobéissance ça, mais c'est pas les pièces, c'est qu'il continue à faire ça, va le PC là, et c'est qui plus grave, sans aucun regret, au fond, sur lesquels il va arriver, désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il y a une musulman pareil? La connaissance qu'il vient acquérir et la connaissance qu'il vient acquérir, est-ce que ça peut profiter? Mais non, non. Alors, mon frère, mon cher, qui est l'imam, en tant qu'un musulman, chaque connaissance qu'il nous vient acquérir, nous disons, faire ses efforts selon nos capacités, pour mettre en pratique dans la vie. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu dukhulu fi s-silmi kaffa. Oh, mon cher, l'imam, rentre dans l'islam complètement. N'a pas peur, n'a pas choisiré. Parfois, un bon musulman, parfois, pas un bon musulman, non. Rentre dans l'islam pleinement, complètement. Il y a chaque chose qu'on apprend à faire, c'est pour que vous mettiez en pratique dans la vie. Et Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, on t'a dit, l'Isa laïsa l'imano bittahalli wala bittamanni. L'Isa iman, c'est pas pour l'embellissement et non plus pour les suites. Mais c'est pas qui veut dire iman? L'Isa iman, c'est ce qui finit en vie d'avoir l'église. Et mon action confirme. Ça qui appelle iman, c'est que nous croyons avec nous les guerres, pas si nous croyons, mais seulement nos actions prouvent ce qui nous croit avec nous les guerres, nos actions confirment ce qui nous croit avec nous les guerres, c'est-à-dire ça iman, il y a l'effet de nos bonnes actions. Ça iman qui nous est là, qui nous peut dire nous est là, il y a l'effet de nos bonnes actions, c'est-à-dire il fait nous faire vos actions et il fait nous respecter les bonnes. Et bien, c'est un petit monde qui n'est pas capable de dire qu'il y a un iman, qu'il y a un iman, qu'il y a un iman. Ensuite, il fait toute action qui va le kafir qui fait ça. Action qui va l'imandar, qui a l'air sur un antenne, qui fait mention d'un Coran. Bon, bien, c'est que la sourate à son âme, ça, il enseigne, sans ces qualités des bannes qu'il y a un iman, l'iloi de ça. Alors, ça, c'est pas un iman complet. Iman, c'est pas juste nous dire qu'il y a un iman, c'est pas si ça le souhaite. Mais nous disons, pour nous, iman, c'est qu'il nous croit avec nous les guerres, c'est notre vie pour nous. Par nos bonnes actions. Mon frère, mon sœur, qui est un imam, un musulman qui lui fait gagner connaissance et lui continue sur la vie par les aides, lui passant sur la vie, lui pas faire ses efforts pour qu'il mette en pratique ce qu'il peut apprendre, alors on connaît que ça, c'est pas un bon comportement, c'est plutôt comportement des mannes qui est arrogant. C'est comportement des mannes qui est arrogant, c'est un arrogant qui cause qu'un autre, puis Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ordonne ceux pour faire quelque chose, c'est ceux viennent et d'autres arrêtent, ils ne sont pas mettre en pratique, ils ne sont pas obéir. Allah sallallahu alayhi wa sallam ne pas obéir, mais ça, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les vient donner. Et plus grand exemple, c'est l'Iblis. Quand Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait donner un autre, au lieu qu'il ait accepté d'obéir, les mettre en pratique, les déclare arrogant. Finalement, les désobéir à Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils ont fait donner. Qui conséquence de l'Iblis. Marie qui me dit, lui dire, si les serviteurs apprennent la connaissance des livres pour qu'il fasse un mal, là, son connaissance fait arriver une humble. La son connaissance, car si son connaissance se livre un démon qui est humble, la si tu apprends avec sa intention là pour être en face, pas qu'apprendre, si c'est comment dire pour augmenter son connaissance, si c'est pour faire connaître qu'il a beaucoup de connaissances.
Mais qui sont l'objectif quand il est c'est pour qu'il lui mette en premier. Pas pour montrer si mon nom. Pour lui, combien de pourcentage à travers sa connaissance qu'il va acquérir, combien il est pour pratiquer la loi. Mais s'il apprend la connaissance des dîmes pour faire un mal, c'est-à-dire s'il apprend la connaissance des dîmes, pas pour faire un mal là, il peut s'y apprendre, il peut s'y faire connaissance, sinon un mal zéro, il tient sur connaissance pour augmenter sur l'arrogance. Sur l'orgueil, sur l'arrogance pour augmenter. Et en vérité, Allah subhanahu wa ta'ala, vient nous connaître dans le Coran. Quelle connaissance pas pratiquer, écouter, n'a pas obéir à ces qualités qui valent ça, ces qualités de mal, mon affaire. Quelle connaissance valent mon affaire qui vient dire, et valent juif qui vient dire ça, sami'na wa asayna. Nous venons écouter, nous pour désobéir. Tant qu'il valent que l'animal, ils ont dit sami'na wa atana. Nous venons écouter, nous pour obéir. Maintenant, les contraires ont dit, oui, nous gagnons l'essence là. Nous gagnons connaissance là, nous recevons l'essence là. Mais seulement nous pas pour obéir, nous pour désobéir. Alors choisir lesquelles qualités, nous, lesquelles parties qui nous voulaient, nous rendent à l'heure. Est-ce qu'une qualité de banquier d'un iman qui à chaque fois nous donne un ayat Quran, nous donne un hadith et que le Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam nous mettons en pratique, nous faisons ces efforts pour mettre en pratique, ou bien qualité de banquier juif et banquier d'un enfer, ceux qui chaque fois qu'ils avaient ce message, une ligne vers eux, alors je vais plutôt, au lieu d'accepter, au lieu d'obéir, je vais plutôt désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn al-Mu'taz dit ilm al-munafiq fi qawlihi wa ilm al-mu'mini fi amalihi. Il dit la connaissance d'un munafiq est dans son causé. Causé beaucoup pratique, c'est romanisé. C'est-à-dire, pas vu sa qualité musulmane qui existe, nous causons beaucoup, mais seulement pratique le zéro. Il dit la connaissance d'un munafiq est dans son causé. Connaissance d'un mu'min et d'un soif. C'est-à-dire, un mu'min, quand il y a connaissance, ça réflecte l'eau sauvage d'action. Il passe, elle qui causait beaucoup. Il y a un jour, c'est un coup, ma frère, et ma sœur qui est mal avec fuit dans Facebook, quand vous avez des gens qui sont commentaires au Facebook, vous pensez bien plus grand à l'imkin. Mais seulement, quand vous avez la vie pratique, zéro. Et la démon est capable jusqu'à tard dans la nuit. Il peut suivre sa nala, il peut suivre le talal, il peut faire grand pas commentaire dans ma soja, il peut dormir. Qui peut être à cas, il sa nala, il peut faire commentaire, sa nala se pose, le commentaire, le talal se pose. Il peut être à cas, dormir bonheur pour qu'il soit capable de lever pour la ma soja dans la matinée. C'est un cas qui nous aide, parce qu'il ne peut pas apprendre qu'il y a ma soja obligatoire ou non. Nous suivons sa nala, nous suivons le talal, nous faisons grand pas commentaire, nous faisons grand pas de cas, sans qu'il ait la connaissance, parce qu'il dit même qu'il cause, vous pouvez mettre, il peut la connaissance. À cause de même, mon frère, parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, un bon musulman, plus il a connaissance, plus son parole diminue. Plus il commence à cause, parce qu'il commence à pire. Parce qu'il cause pour s'en adil, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas une question simple ça. Ou bien cause pour s'en Allah, ou bien cause pour s'en Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est une question simple ça? Est-ce que c'est une responsabilité simple ça de dire Allah, il dit ça? Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam nous disent ensemble, nous disent l'islam, c'est ça. Alors c'est avec connaissance qu'il nous disent, c'est pas sans connaissance. Mais des gens qui paient la connaissance qui a tendance cause beaucoup, des gens qui ont la connaissance qui pas cause beaucoup. Mais seulement quand ils causent, les causes c'est qu'ils disent causer, pas sans l'oral, l'oral. Comme des gens, à son dit, faire beaucoup de commentaires, mon frère, et ma chère qui l'aime, mais c'est plutôt pas servir l'esprit. Plutôt pas emporté par l'émotion, sensation. C'est pour ça que tout le monde cause. Pas parce que quand tout le monde fait cause beaucoup, il y a terrible, non. C'est quand nous causons, nous faisons cause avec connaissance. Connaissance, basant nos paroles, Allah, parole, les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, et compréhension divine, sahaba, ridwanullahi alayhim, ajma'in. Et sa qualité là, gain connaissance, pas mettre en pratique, c'est qualité divine, juif aussi. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit « Mathalu alladhina hummilu at-tawrata thumma lam yahmiluha » Il y a l'exemple des mâles qui font guère pour s'envoyer la Torah, ils ont guère sa message, mais seulement ils ne sont pas fini s'envoyer. Ils ne sont pas fini s'envoyer, ils ne sont pas fini appliquer dans ce tableau. Ils ne sont pas fini mettre en pratique. Allah subhanahu wa ta'ala, quel comment il peut comprendre sa bande d'imouna. Allah protège ça. Un témoin, Allah subhanahu wa ta'ala fait Fabien connaissance sur le plan de qualité Fabien ça. Par une tierce, par une beaucoup de monde dans la terre, n'est pas une bonne valeur à la connaissance, n'est pas engagé dans la connaissance. Mais nous, si Allah subhanahu wa ta'ala fait une bonne valeur à la connaissance, nous pédèrent la connaissance,
qui nos réactions vis-à-vis sa connaissance. Est-ce que nous connaissons en pratique ou bien non? Allah subhanahu wa ta'ala dit, l'exemple est qui finit bien pour soyez ta orange, mais maintenant par qui ne soyez dit, je ne comment mal, je t'exemple, et comment l'exemple d'un bourrique qui peut soyez mal libre. Bourrique pour mettre un peu de temps, c'est libre sur les deux, ça pas profiter d'un gros bourrique même. Alors, pas venir sa qualité, dit mon nom. Parce qu'il ne sait pas pour profiter, il ne pas profiter avec connaissance qu'il a, là, ça va libre. Nous, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne nous l'intelligence. Nous gagnons connaissance, nous bisons sens, nous là. Nous bisons mettre en pratique ce qui nous fait acquérir comme connaissance. N'a pas laissé nos passions dominer nous. N'a pas, et par lui, mal conseil, mal frère, mal cher, qu'il aime. Pour faire, il a dit, moi, il n'est pas censé, parce qu'il est habitué à faire des affaires. Non, mais mon habitude est faire vous savez. Le moment que quelqu'un fait une farine de loin de connaissance, vous pouvez connaître qui, par exemple, façon d'habitude faire une avance par vous, ou continuer à vous dire mon habitude faire comme ça, ou pas couper avec sa farine, quelqu'un fait le roulant, il fait ou apprendre. Comment la soupe, la soupe, la marie, on s'amène, il fait une avance. Bah, ça, on va le preuve, hadith. Là, on se dit, non, mon habitude faire une avance comme ça. Mon maman, il montre comment faire une avance comme ça. Là, quand tu as mon maman comme l'exemple, il a envoyé la soupe, la soupe, la comme un exemple. Combien de gens comme ça sont assis de sa façon? Quand j'ai dit comme ça, c'est un bidasa avant l'événement, il fait fatiha. C'est un bidasa quand on finit en tien janaza, un maïel de son papa fait fatiha en jaman. C'est un bidasa quand on finit célébrer nikan, fait fatiha en jaman. C'est un bidasa fait 4 ans, 3 jours, 10 jours, 40 jours. J'ai oui, moi d'accord, mais seulement, famille. Famille qui vous dit, tous les cas nous le faisons. Mon papa est mort, il ne fait rien. Dada est mort, il ne fait rien. Dada est mort, il ne fait rien. Mais là, maman est mort, pas faire. Famille qui vous dit, non, ça, c'est pas distance avant le frère et ma soeur qui l'aiment. Quand on apprend une petite chose, ni bon, on met en pratique. Quand on apprend une petite chose, pas bon, n'a pas gagné un tracas. Les autres, ils vont gagner un tracas. Quand vous mettez tout dans le cabal, vous pouvez tout seul dans sa cabal. Pas pour la famille, pas pour la camarade, pas pour la personne. Là, vous pouvez poser une question, les autres, ils payent à main. Alors, ce qu'on vient dans le cabal, il vient avec vous, personne ne va venir avec vous, c'est qu'il en terre, il vient aller ça. Alors, mon frère, mon cher, qu'il aime, n'a pas vu comment ça va nous suivre, qui précise qu'il y a beaucoup de connaissances, mais seulement ça n'a pas vu, n'a pas vu une profite, profite seul. Et qu'on savait, Allah subhanahu wa ta'ala dit à mon frère, pas mettre en pratique, ça c'est cause, finissons Allah subhanahu wa ta'ala descend nous à la terre. Oh, c'est lui qui parle les sens pour la vie après qu'il ait pu gagner connaissance. Est-ce qu'il est à ta punition Allah subhanahu wa ta'ala des âmes pour qu'il y ait sens sur la vie? Allah rabbul alamin dit وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ. Allah dit suivre les meilleurs de ce qui finit descendu vers ceux qui se trappent. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتًا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. Avant qu'elle finisse son vie vers eux soudainement, et qu'il s'en moment-là, ce pape est conscient. Ce pape est ressenti qu'il finisse son lac et des âges. Antapoul, léala qui s'attire mon lac, tu es trop tard, c'est vrai. Antapoul, anasunya, hasrata, alama, farrak, ou fitjan, billah, wa in kuntula minasahiri. Léala qui s'attire mon lac, tu es malé à l'homme pour négligence qu'ils m'ont fait faire envers Allah. Certainement, mon petit parmi, ban qui tu peux faire bouffon. Allah subhanahu wa ta'ala dit Aou taqulu law anna Allah hada ila kuntu min al muttaqin. Léala qui nous dit si Allah te guide moi, mon petit parmi, ban qui est notre taqwa. Aou taqulu hina tara al adab. Combien te boutiens quand tu retrouves punition en face de toi. Law anna li karmatan fa abouna min al muqsinin. Si moi gagne un sens, pour me retourner, si moi gagne un sens, Allah redonne-moi la vie, me revient la terre, les Allah m'ont trouvé une parmi mal qui fait du bien. Trop tard, la route finit bini. On finit trop bénissant en face de vous, trop tard pour tout sens à la vie. Et une fois qu'un démon m'a servi à la subhanahu wa ta'ala pour redonner l'occasion pour retourner dans la terre pour qu'il y ait une faire, pour qu'il y ait une faire boire. Alors, mon frère et ma sœur qui n'aiment pas partant, ça moment. L'avenir, il y en a qui peut décider pour s'en sortir de trop, de trop tard. Allah subhanahu wa ta'ala peut faire faveur au nom. Nous encore dans la vie, nous encore plus gagner connaissance. Alors, faire c'est pour mon frère et ma soeur qui n'aiment mal pour qui nous sommes sur la vie le plus vite possible. Nous mettons en pratique ce que nous avons fait le plus vite possible avant qu'il y ait trop tard.
Et concernant Allah subhanahu wa ta'ala lui dit « Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut » Allah subhanahu wa ta'ala dit « Dépensez de ce qui vient d'un jour, de ce qui vient d'un jour avant que la mort vienne à un bon jour. » C'est-à-dire « Fais action avant la mort vienne seule, avant la mort vienne seule jour. » فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ Léa, quand l'amour pour une joie de sentiment, Léa, il faut dire qu'elle est tournée en face de l'amour. Je veux dire, oh mon Rab, si seulement que tu donnes-moi un petit délai encore, oh mon Rab, si seulement que tu donnes-moi un petit délai encore, la asad, fa asad daqa wa akum min asalihi, m'a pouvé asad daqa, et m'a pouvé ne pas me voir un bon dimanche. Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ » Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit pas pour donner à personne, à aucun nefs quand son lien est fini. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'on très bien qui se fait. Alors, jour, date, minute, seconde, qui n'est rien pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Tiens-nous la vie » Moment qui n'est rien pour le mot, quand ta malade qu'on va, pour venir à une seconde aussi pour vous gagner en plus. Ce qu'on fait quand tu es vivant, c'est ça même que vous prenez pas d'où pas. Alors, mon frère, et mon soeur qui est l'animal, malheureux et la vie, en vérité, il est bien, bien court. Combien de maillettes nous restent en l'air pour ça? Et pour malheureux, l'amour pas fait la différence entre chef et vie, pas fait la différence entre celui qui est malade, c'est lui qui est en bonne santé. En tant qu'enfant et qu'un agile, n'importe qui ça n'a pas mis nos capables. Est-ce qu'il nous prépare pour nous? Est-ce qu'il nous peut saisir sa location qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous pour qu'il nous fasse amal là-dedans, qu'il nous vivant? Pour nous changer la vie, pour nous mettre en pratique connaissance, pour nous faire guérir? Ou bien nous peut laisser nous dominer par négligence pour faire attendre ce moment? Pour d'abord, pour nous soigner, est-ce qu'il nous parle de votre délire? Est-ce qu'il nous regretter? Et tout ça là pour retirer ou pas pour gagner, ou pour regretter, ça arriverait là pour profiter d'aucun sens. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, et nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, pardonne-nous, qu'Allah rabbul alamin, il vient nous profiter avec sa détente, qu'il est pédé de nous pour qu'il nous vive dans sa lapière. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous faire ses efforts, qu'il dit ça, nous continuer à faire ses efforts pour qu'il nous gagne connaissance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait nous chercher sa connaissance avec la sincérité et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui aide nous pour qu'il nous mette en pratique la connaissance qui nous fait acquérir. Allah subhanahu wa ta'ala lui fait tout savoir de connaissance. Qu'il peut faire ça comme une faveur au nous, nous peut acquérir sa force, sa permission, lui fait tout savoir de connaissance avec nous. Elle contient dans nous faveur les jours du Qiyama, puis une preuve dans nous faveur les jours du Qiyama, pour qu'il nous mette en pratique dans la vie et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pas faire. Ça va le connaissance, ça vient une preuve contre nous, contre Allah subhanahu wa ta'ala. Les jours du Qiyama, comment la connaissance vient une preuve contre nous? C'est quand nous gagnons et nous pas fait mettre en bas. En pratique, Allah subhanahu wa ta'ala, les pardonne pour nous battre maintenant, les pardonne pour nous battre baisser qui nous fait faire. Après le qawli hada, wa astaghfirullah alayhi wa lakum, innahu huwa al-ghafur rahim. إن الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بن خيب السيك الإيمان قامت أن قاتل بن نلوى الله سبحانه وتعالى بن كونيسانس نوكاكيريا كما نوفينا بن دينا بن كونسيكانس نونو Lola vidounia même, et bien à tout, celui qui, Allah subhanahu wa ta'ala, peut faire faveur à la connaissance, l'oli, l'incondine à l'islam et l'incondine, qu'il est bizarre pratiquer en tant qu'un musulman, mais là aussi, il continue à faire négligence, il pas mettre en pratique, maintenant, wa Allah rabbul alamin, alors qu'on est qui, il peut subir les conséquences, dans son kabab, il peut subir les conséquences, contre Allah subhanahu wa ta'ala, les sourds du Qiyama. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les causes pour s'en appuyer sur Kabbal, quand il raconte nous un parmi ce malgré, il dit, des anges, c'est bien, béali, et fin, tiari, après qu'il ait fait une troupe à la guerre, il dit, amma rajulul awwalu ladhi ataita alayhi, yuth lahu,
Rasouhum bil Hajar. Et c'est quand la première personne qui a vu trouver qui sur la tête s'est écrasé avec rose. Alors en ça, j'ai dit, inna rajul ya'khudhu al-Qur'an fayarfudhu. Et c'était une personne qui se fait prendre le Qur'an, mais seulement il n'a pas accepté lui. Wayana mu'ani salat al-maktouba, il se fait dormir pour la namaz qui farase. Et comme ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans sa haditha, il mentionne nous, plus y a bal, finition qui est dans la barre pour bal, pour qui bal, pour bal qui bal pratiquer. Pour bal qui bal pratiquer certaines actions qui spécifiques, par exemple, ici, les causes concernant une guerre, pour un, mais c'est mal une révise, mais une révise, vous mettez en pratique. Des domines, d'amener un amas faraz, au lieu qu'il y ait une fin amas, et nous tous connaissons qu'il y a un amas faraz, et continuer à dormir par une fin amas, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dédié à une punition pour sa dimonna dans son kabab. Et si ça c'est punition kabab, connaît qu'une punition l'enfer, il y a beaucoup plus qu'une punition qu'il y a dans le kabab. À cause ça même, bah, habitant kabab, malgré qu'il se fait une punition, je vous souhaite qu'il n'y ait rien par vie. Parce que je vous connais qui, dans l'enfer, punition là pour plus bien. Et quand avant qu'il poussait à faveur, je vous souhaite qu'il n'y ait rien par vie qui vient. Parce qu'il a déjà dit que c'est plus grand, famille. Et comme ça même, comme on dit à ma frère, les gens qui prient Allah subhanahu wa ta'ala pose une question concernant la connaissance qu'il nous acquérir. Est-ce qu'il nous pratique ou bien? Le Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la tazoulu qadama abdin yaum al qiyama. Les tiens d'espère se dérivent n'a pas pour pousser les gens qui prient hatta yus'al. C'est ce qu'il y a de questionné. Alors, pas mal. Question que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, sa mission morale propose, ou bien sa dimonna n'est pas que dimon propose, ou an ilmihim fima fa'al. Propose question concernant sa connaissance, qu'il en fait avec ça. Il gagne connaissance, qu'il en fait avec sa connaissance-là. Est-ce qu'il en pratique ou bien il n'est pas en pratique? Est-ce qu'il en met en pratique, ou bien il continue, faire négligence, il n'est pas le dragon, mais si à tout, il a beaucoup mal d'obstacles, il a beaucoup mal de raisons. Qui fait un musulman n'est pas pratique, n'est pas pratique sur lui. Parfois, il c'est pas parce qu'il n'a pas envie de pratiquer. Non, mais si tu as laissé en côté avec sa vie, avec sa malfitna qui est là, alors finalement, il y a sa tendance, il connaît, mais c'est pas du pas pratique. Alors, fais attention, malgré sa dunya là, c'est un fitna pour nous. Le musulman prend nos précautions et à chaque fois, le musulman fait nous rappel. Allah subhanahu wa ta'ala pose ma question. Allah pose ma question. Allah pose ma question. Sa connaissance que vous gagnez, Allah subhanahu wa ta'ala vous pose une question concernant ça. Qui vous fait avec ça? Et celui qui met en pratique la connaissance, fait la deux, et pour mérite récompense, et celui qui va mettre en pratique la connaissance, et pour mérite punition. Abu Darda, radiallahu anhu, dit Inna ma khafu an yakuna awwala ma yas'aluni anhu rabbi, les actions qui m'opèrent, c'est attention que première question que mon Rav me pose ma question concernant ça, les autres du Qiyama, c'est le premier mandement. At'alimta fama aminta fima alimta. Vous allez comme ça, tu tiens la connaissance, qui te fait avec sa connaissance? C'est-à-dire, est-ce qu'il te pratique sa connaissance là? Est-ce qu'il te met en pratique la connaissance pour finir acquérir? Abu Darda, radiallahu anhu, il peut bien que Allah subhanahu wa ta'ala pose une question concernant ça. Mais là, d'autres questions là pour venir. Comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les faits qu'on est le hadith précédent, on pose une question concernant nos connaissances. Qui nous fait? Qui a mal? Est-ce qu'il nous pratique ou bien pas pratique? Alors, mon frère et mon soeur, qu'il a mal, n'a pas prend la vie comme un badinage. La vie, c'est l'occasion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de nous pour que nous préparons pour après l'amour. Et toute cette étape qu'il y a après l'amour là, tout ces va être étape réelle de ça. Parfois, les musulmans pensaient qu'on allait raconter une fausse histoire dans le Coran. Tout ça n'a pas pour ça. Non. Tout ça n'a pas pour ça. Quand on cause punition dans le Kabbal, on est coupé dans la punition. Quand on cause faveur dans le Kabbal, on est coupé dans la faveur. Quand on qui va une faveur dans la jana, qui va une punition dans l'enfer. Tout ça là, c'est réel. Mais c'est nos imams d'oreille, après nous pas témoigner, mais qui nous pouvons témoigner après, nous obliger à mettre l'imam. Pas même un navire comme si on était un imam. Pas même un navire pas dire, ça va quoi, même si c'est ça, pas pour être dans ça, non. Pour être là, réellement pour être dans le Kabbal, les mondes des Barzakh, en faveur et punition. Tu vois, pour qu'un faveur,
et dans un pour gabinis. Et son frère a aussi la Janet Jahannam. C'est lui qui croit la Janet, pour se faire c'est lui qui croit la Jahannam, c'est le val gay, bénisson. Allah subhanahu wa ta'ala protège son frère, de faire sa imana, augmenter Allah subhanahu wa ta'ala, augmente pour iman, Allah subhanahu wa ta'ala, de faire iman, profite-nous. Et de faire sa imana, faire nous, c'est à travers nos iman, nous sommes capables de faire bonne boisson. À travers nos iman, nous délaissons. Par une mauvaise action pour qu'il nous fasse Allah subhanahu wa ta'ala plaisir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous faire ses efforts pour qu'il nous augmente nos iman. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous un iman qui fait, qui nous capable de faire la différence avec sa iman à un, par une bonne action et par une mauvaise action. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous un iman qui pousse nous pour qu'il nous fasse bonne action. Un iman qui à travers sa iman là, nous cave reste loin de tout par une persécution. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous être en pratique la connaissance qui nous fait guérir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait la connaissance d'une preuve qu'elle nous fait faire les jours du Qiyamah et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait faire la connaissance d'une hujja contre nous, une preuve contre nous les jours du Qiyamah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne nous, papa lui pardonne tout bas qu'il a iman et pitié de nous tous les mettons dans la jannah le firdaus. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne tout nos mal péché, nos mal grand, nos mal petit péché, lui fait quitte aucun péché excepté qu'il lui pardonne ça pour nous. Qu'Allah Azza wa Jal n'est pas quitte aucun musulman qui vit mort au sein de la terre, excepté qu'il est dans pitié de l'Oli. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas quitte personne qui a des difficultés, excepté qu'il est facilité. Tiens bien, on est aux autres difficultés. Qu'Allah Azza wa Jal n'est pas quitte personne qui a des problèmes, excepté qu'il est dit pour qu'il est remboursé. Qu'Allah Rabbul Alamin, les bénis de la Jannah, nous fait aussi pour qu'il y ait ce monde, Jahannam, wa akhiru da'wana, alhamdulillahi Rabbil Alamin.